Salut les gars, c'est les Rolls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Biker de Nîmes. Là on est direction Anduze, on va rejoindre des collègues. Et on va aller faire la route de la Corniche et avec le col Saint-Pierre. Du coup les gars, je vous emmène avec moi. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça fait plaisir. Et bonne vidéo les gars. Eh, essence c'est bon. On va rouler tranquille. On va jamais arriver à la station les gars, il va tomber en panne avant, non. On n'a pas de bouteille, on a rien. Je sais pas comment on va faire, va falloir que je le pousse. J'ai reçu ma combi toute neuve. Regardez-moi ça. Jamais frotté. Les gars, c'est pour bientôt, je vous prépare deux petites vidéos sympas. Vidéo entraînement avec le coach. Entraînement, poser le genou, déhancher et tout. Là les gars, moi je me suis pris comme combi la Revit Argon en noir et blanc. Bah c'est bon, il y a de l'essence là, elle a ouvert cette station. Elle était encore fermée la semaine dernière. Oh, hey, la tête de ma mère, t'as de la chance. La semaine dernière, elle était encore fermée. Gros, elle vient d'ouvrir. 2,63€. Ah là, tu mets juste ce qu'il faut. Mais mets du E10, tant pis. Ah, ça y est, bah oui. Tu mets juste ce qu'il faut pour aller à Anduze. Je suis pas sûr que ce soit moins cher. Hein. Non, mais la station, mec, elle est toute neuve là. Eh, hey, c'est un peu des menteurs, Total. Ils ont dit qu'ils dépasseraient pas les 1,999€. Bah regarde. Ouais, mais cool, hein. C'est des menteurs. C'est un truc de dingue. Oh, t'as de la chance, mec. Je te jure, la semaine dernière, elle était encore fermée la station. Jamais j'aurais pensé trouver de l'essence là. Oh, là, il me reste 10 km, hein. Oh, ouais, on aurait été dans la sauce. En même temps, tu roules comme un fourrin. Oh, le prix de l'essence. Ah, c'est ça où tu tombes en panne. C'est hyper cher là. Bon, est-ce qu'on leur dit aux petits abonnés ce qui va se passer en mai? Ou on garde ça secret? Attends, je parle. Les gars, en mai, je monte à Paname avec le frérot Aurel. On va vous faire du sale. Les gars, 6, 7 et 8 mai, on sera à Paris avec Denim. Ouais. On va aller avec JC Prod normalement, on va essayer de voir du monde, des potes, ça va être fou. On va essayer de vous faire une petite balade, un rassemblement, on va essayer d'organiser ça. Mais les gars, en tout cas, restez branchés, ça arrive bientôt et ça va être incroyable. Un petit week-end à Paris là. Oh là là, croustillant ouais. Du coup, là on va rejoindre notre groupe de potes à Anduze. On rejoint tout le monde à Anduze. Et après, à partir de Anduze, je connais pas le tracé, mais je sais que la route est cool. Donc on va voir. Déjà là, on va aller voir y'a qui. Parce que moi j'ai pas mis d'essence là où Denim il a mis parce que c'est trop cher. Je sais que normalement ici c'est moins cher. Est-ce qu'il y a déjà des collègues? Bah ouais, j'ai bien l'impression qu'il y a déjà des collègues. Non. Wouah, y'a de la moto là aujourd'hui. Attends, mais oui, c'est vrai, il a fait un appel des abonnés. Ça me dit là, y'a plein d'abonnés du coup. Oh, y'a combien d'abonnés là-dedans? Stylé frère le monde qu'il y a. Ah mais là il y a le mec du lycée déjà avec la 125. Campagne. Moi il y a de l'essence plus bas dans Anduze donc j'irai faire le plan là-bas. Salut. Salut. Salut, ça va? Ça va? Nous on attend, on a encore un groupe de potes qui arrive. En plus on a des potes qui arrivent donc. Mais c'est pour ça, viens, on va hyper comme ça tu prends à manger, on prend à manger en même temps on met l'essence. Hein? Ah bah voilà, ils sont là. Wow, le monde qu'on va être en fait. Les gens qu'il y a là déjà ils viennent avec nous. On est énormément. On est genre pas mal. Ça va être incroyable. Regardez-moi ce beau gosse avec son pantalon là. Oh là là, ça va mec? Ouais, il manque juste les bottes. Attention les gars, c'est ouais, Nike. C'est... Ah ouais, ouais? Moi le mien. Non, même pas, le mien il va plus bas. Hein. Ouais, si. Tu l'as Keblo. Il y a un truc qui s'est pris dedans, c'est pas possible. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il faut qu'elle soit à plat. Genre. Ouais, tu vas voir que ça va être ça. Ouais, c'est la peinture. Ah, c'est la peinture, regarde, ça bloque à la peinture. Ah ouais. Mais non. Oh là là, Furigan. Oh là là. Furigan incroyable. En fait, du coup, le col Saint-Pierre, je le connais. Juste, je connaissais pas le nom, mais la route, je la connais très bien. Et je la kiffe. Donc, on va là-bas. Et après, on va peut-être pousser un peu, mais on va pas aller bien plus loin. Donc, ça va être vraiment une petite vidéo tranquille, arsouille, tu vois. Goody, 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 goody. Ah, t'es belle. Il fait un bordel les gars lui. Oh, il va nous rendre sourds. Bah ça va toi. Bon, il fait pas très beau, c'est pas la plus belle météo, mais la route, il y a par endroit c'est humide, ça m'inquiète un peu. Parce qu'on n'est pas encore monté, donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Ça va. Juste il fait pas très beau. Bon, on va faire avec, c'est pas grave. Hein. Maintenant on croise les doigts pour qu'il y ait personne qui s'en mette une, y compris moi. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, ça va pas changer ça, hein. Mais quoi, ouais. Ah, n'importe quoi. Ok les gars,
Ça y est, on arrive sur la route. Ça a l'air humide par endroit, ça fait peur. Oh, la route elle est bien, elle est sèche. Il n'y a personne en plus. Oh, c'est beau. Ah oui, celui-là est serré. Sortie d'ancienne moto. Oh là 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 là. Mais gars, la route elle est incroyable. Petite montée et tout, bien sympa. Pff, bah ils sont où les collègues? Coucou. Oh, yeah. Oh, la route elle est trop bien mec. Oh là là. Bah alors ça roule pas apparemment. Ah, ah, la route elle est nickel. Merci, je joue ici. Ah ouais, t'as vu comment elle est bien? T'es jamais venu ici? Ah ouais, tiens, je veux bien voir la position. Merde. Oh, t'as les poignées chauffantes. T'es maxi bien là. Ah ouais. Bah tu vois, moi je suis bien comme ça. Je préfère comme ça que comme ça. Ah voilà, moi aussi. Ah ouais, je préfère. Hein. Ouais. C'est à peu près la position au niveau des pieds que j'ai sur la mienne. C'est ça. Peut-être un chouï plus haut, mais je suis bien là. Bah alors, ça va à deux? T'as pas posé le genou? Mais ouais, bah alors. Bah alors. T'as vu, elle est bien? Ouais, franchement, elle est pas mal. Elle est bien. Je sais pas, genre, il y a des moments où il y a vraiment des virages très très serrés. Faut connaître la route. Ouais, heureusement que j'avais Clément derrière parce que. Il se serait tué. Ah ouais? Ah putain. Non, vas-y, je vous suis, comme ça je filme. Comme ça je t'enverrai. Il y aura ton petit cul sur internet. Ah, il m'a vu. Il se dit merde. Ah, mais toi tu vas finir par tomber hein. Ouais. Sors le genou. Mais là j'aime pas la descente. Alex, roule. Ça roule pas devant. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait quoi? Chute. Non. Ouais, parce que... Oh là là. Ah ouais, ouais. En vrai, ça va, à part ça... Il y a l'autocollant là. Ouais, ça va. J'avoue, en vrai, ça va protéger la moto au final. Putain, le cuir tout neuf. Regarde, c'est frotté. Mais oui. J'ai dit c'est frotté. Bah oui, non. Non, putain, le cuir tout neuf, mais non. Tant pis, hein. Oh. Un coup de lait de bébé là. Hein. Trop mal, ça fait. Ah, t'étais sous la moto. T'étais sous la moto. C'est pour ça qu'elle a rien. Oh. Ça va toi? Après Saint-Nicolas, c'est la descente elle est calme. Ouais. Mais par contre. Ah ouais, gars. Oh. Ah, c'est pour ça, faut rouler avec des bottes, mec. Ouais. Faut rouler avec des bottes, hein. Tu dis, oh, j'ai frotté un mur en la garant. On y retourne ou quoi? Déjà. Les pneus sont chauds. Ils sont vexés. Moi, on va se faire.
faire les descentes tranquilles parce qu'on a un collègue qui vient de tomber. La descente, personne l'aime et bah du coup, bah voilà, on sait pourquoi. Virage là j'aime pas, ça fait deux fois qu'on a fait, j'ai pu me planter. Non mais même la descente j'étais pas ouf là. T'inquiète, la montée ce sera la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a là, il s'arrête. Wesh, les cailloux qu'il y a. Mais non. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ah, le bâtard, il marche bien là. Ah, il accélère fort Aurélien là. N'empêche, j'arrive pas à le remettre. Les deux gros. Je suis refait. Oh là là. Celui-là, je l'ai posé comme un porc parce que j'ai senti un gros pouf. Genre sur ma jambe, elle est partie en arrière. J'ai fait, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Moi qui voulais vous faire une petite série, j'apprends à poser le genou. Du coup, ça y est. Mais je comptais préparer une ou deux vidéos, tu vois. Donc je vais quand même vous les faire. Parce que maintenant, le but, c'est d'arriver à le placer à tous les virages possibles, quoi, tu sais. Oh, c'est quoi ça? C'est de son permis tuné. Genre une sans permis pick-up, ça existe. Oh, je suis mort. C'est trop mignon, frère. Oh, c'est ridicule en même temps. Bon les gars, nous on a quitté le groupe de potes. On est direction chez moi. C'est la fin de la balade, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Restez branchés du coup pour le 6, 7 et 8 mai. Et ben, c'était l'Héro et je vous dis à vendredi prochain à 18h30. Ciao. Ah bah oui, elle est sur son téléphone cette connasse. De toute façon, on s'en bat les couilles, elle a pas de permis à perdre.